Attention. Les gars, c'est Broly, c'est Broly, c'est le film Broly. Allez les gars, vas-y, vas-y. Broly, let's go. Let's go Broly. Moi je suis hype. Oh là là là. Oh 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 oh. Ça va être Gogeta Blue. Ça sent pas terrible. Allez Goku. Pas de transformation. Oh. Oh Broly qui tombe. Broly qui tombe. Broly qui tombe. Allez s'il te plaît. C'est tellement le moment. Allez putain. Allez. Allez. J'ai la boule au ventre. J'ai la boule au ventre. Je rappelle que c'est le perso qui me hype le plus de DB Legends. J'ai peur de cliquer. J'ai peur de cliquer. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts pour un petit peu de Broly F9 étoiles? J'espère que vous êtes prêts, hein, parce qu'il va falloir être prêt. Salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très bien les gars comme d'habitude. Merci à vous de votre présence, vous me faites l'honneur d'être présent sur la chaîne YouTube et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui prennent du plaisir, qui s'abonnent également. Vous êtes les putains de boss et on va tout déchirer ensemble dans ce Legends Festival. J'y compte drop dès la première multi. Je compte showcase dès les 15 premières minutes qui suivent parce qu'on aura drop rapidement. En tout cas, vraiment les gars, merci à vous. Et je suis grave motivé dans cette fin d'année sur Dragon Ball Legends. On va être saucé à mort et on va prendre terrible hein. On va prendre très 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 cher dans cette team là. 4200 de bonus de capacité, c'est quand même assez énervé. On va jouer avec 5 bleus dans la team. Vous connaissez Blue Blue Purple, la cap Z à 50% du EX, Badak, Gogeta et Goku Namek pour les caps de Zenkai sur Broly. On pourrait rajouter également Broly DBZ LF, Broly DBZ tout court, pardon, mais pas LF. Mais on n'est pas des forceurs à ce point. La cap Z à 50%, elle est déjà assez énervée, hein, très clairement du UX, donc ça suffit. Et le perso, évidemment, c'est une fierté. Il est 9 étoiles, voilà, Migaté du Legends Festival de l'année dernière, 13 étoiles. Et lui du Legends Festival, 9 étoiles. Voilà, nous on n'a pas rigolé avec les persos du Legends Festival. Le Power Creep était présent, on a répondu présent, on était motivé et on était là. Et ça sera encore cette année. Alors bon. Peut-être pas non plus mettre 13 étoiles le perso Day One, mais voilà, vous avez compris. Et on va le jouer également avec Gohan Revive, parce que Gohan Revive en SSJ, la vérité qui fait le taf. En plus ça, il a la cap Z quand même de Goku Namek non transfo, il a la cap Z du X, la cap Z de Badak quand il est non transfo, et la cap Z de Broly également tout le temps. Donc ça reste quand même une très très bonne cap Z en vérité. Et vous allez voir, Broly est plutôt destructeur. Il reste quand même plutôt destructeur à 9 étoiles, c'est le genre de perso qui ne vieillit pas, hein. T'as clairement l'impression qu'il vieillit pas. En tout cas, c'est ce qu'on va aller voir, parce que j'ai vu que Migaté avait quand même pas mal vieilli, on le voit. Est-ce que c'est 4 Broly? Je pense pas, parce qu'il mettait tellement de dégâts qu'on va pas avoir une énorme différence. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude dans l'espace commentaire de cette petite vidéo. Des miniatures, tout ça, on essaie de progresser un petit peu, j'espère que vous le voyez. On améliore les qualités de vidéo, en tout cas, c'est parti les gars, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est bon pour Watch Time et c'est bon pour mon porte-monnaie. Bon, la 4Z Zenkai sur Gaten Zamasu, c'est sympathique. Mais pas une bonne idée de le jouer par contre, là, je pense pas. Arrête, rosé et jaune, il peut être vraiment trop fort. 4Z, il va être vraiment fort le perso. Parce que lui, je prends rose et jaune, Gaten Zamasu violet et son également petit Goku Black. Mais si jamais il prend un rouge, ça me paraît extrêmement osé quand même. Ça va être trop facile de deviner les pics des adversaires d'en face en vrai. Hein. Bon, ça passe. Maintenant, qu'est-ce que je fais hein? Vas-y, il a eu 3 Kikoa, pas de bol. Ok. Parfait ça. L'aspect directement comme c'est sur le stun, on est mis. Waouh, ok, là, par contre ça on va prendre. Ouais, ça fait mal par contre ça. Ça c'est pas drôle parce qu'il nous a rendu la moyenne de la pièce là. Clairement, il nous a fait très très mal le perso. Mais bon, vous avez vu au moins ce qu'il est capable de caler aussi Broly, ça va être sympa. Je pense que vous le saviez déjà en vrai, on va pas faire genre. Ok, la cover de Gatai, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Et là, s'il attaque, on est bien. Hein. Ok. Ok, bah on va être Broly là. Hein. On va ulti avec Broly directement, comme ça si on crit, ça peut être sympa. Après, faut voir. Je crois que ça crit, non? Non, je crois pas. Ça va juste force switch et c'est tout. Ouais, bah heureusement. Attends, vous imaginez que là il a pas crit en vrai? C'est-à-dire que j'aurais crit, j'avais gagné la game quasiment. Main derrière?
Non, au niveau des tempos, t'es bien, frère. Au niveau des boosts aussi, je pense. Voilà, il fait trop mal. Là, il fait trop mal, et là, on peut donner Go and Revive si Rising Rush. Pas tout de suite, par contre. Ok, parfait. C'est notre meilleur move, ça. Ok. Mal joué. Ça joue pas mal quand même en face, hein. Faut le dire, ça joue bien. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, je sais pas s'il a fait exprès, mais... Ah si, ça passe, ok. Oh non, je savais pas s'il avait fait exprès là, mais j'avais un peu le démon là. Je crois qu'il s'était bien fail. Tu stun quand tu veux, hein, Broly, ça fait deux fois dans la game que tu stun pas. On peut remettre Gohan tout de suite. Oh, c'est trop fort ça. Ça, vraiment, c'est trop fort. Et là, s'il tue Gohan, il aura les boosts une fois transfo. Franchement, la game pour l'instant n'est pas impressionnante, mais les gars, vraiment, ça fait 2 spé qu'on place, 2 spé qui stun pas. Les frérots, vous connaissez la chaîne, vous connaissez ce qui se passe avec moi. J'ai l'impression que mon Broly ne stun jamais. Mais sans rigoler, hein, j'ai vraiment l'impression que mon Broly il a un bug. J'ai l'impression qu'il stun jamais. On a pas crit sur l'ulti sur Goku Black et on a pas stun deux fois. Il y a quand même pas mal de no luck, hein. C'est juste pour vous le dire vraiment parce que la game sinon était gagnée. Hein. Ça va prendre un coup quand même. Bon, là par contre, Gohan Revive, ça devrait être sympa quand même, hein, avec le boost de Bardock. Voilà, c'est. Voilà. Plus toutes les mécaniques qui arrivent derrière qui font qu'il est trop fort. Ok. Bien joué, ça joue bien. Ça joue pas mal. Et là, du coup, on va se retrouver sans Broly, malheureusement. Après, il aurait fait un taf hyper intéressant. Normalement, c'est lui qui nous donne la game. Hein. Vraiment, normalement, c'est lui qui nous donne la game. Malheureusement, bah voilà. Hein. Parfait. Et là, il nous reste peut-être à mettre Gohan. Franchement, go spé comme ça, si jamais il fait quelque chose d'autre, voilà. Parfait. Et là, on va terminer cette game parce qu'on a mis Gohan Rief dans la team, tout simplement. Bon, première game, pas ultra, ultra intéressante. Même si, voilà, l'ulti sur Goku Black était énervé, juste... Pas de bol. Let's go, SSJ versus SSJ. C'est ça qu'on veut, mon grand, c'est ça qu'on veut. Let's go, ça fait grave plaisir. Là, ça risque d'être fort sympathique, je pense, si on attrape avec Broly. Allez, c'est parti, triple bleu quand même en face. Il a chargé tellement longtemps, ok. J'ai un peu peur, mais ça va. Okay, on a pris un petit risque ici. Qui va switch? Pas de switch. Et pas de crit de notre part, hein, Broly, qui continue sa masterclass de ne jamais crit. Ok, parce que là, s'il jouait... Oh là là. Il crit jamais, hein. Je joue un Broly qui crit jamais. Mais c'est sympa quand même, hein. Ok. Il a laissé crever, bon bah, vous rendez compte qu'il a pas crit? Vous rendez compte de la lutte que j'ai quand même ou pas? Je crois qu'on a fait 7 cartes, un truc comme ça. Allez, j'ai aucun problème, les gars. Première carte, regardez bien. Vous allez voir, première carte, ça va crit direct. J'ai l'impression que mon Broly, il a des bugs. Allez, j'y étais un peu là, le frérot. Ok, bah là, on va tuer. Bon bah, ça aurait été une sacrée game, disons. Ça aurait été une sacrée game. On discute avec Bardock. Ah, bien joué. Bien joué ici. Bien joué. Bien joué, bien joué. On a la sauce là un peu. Qu'est-ce que je fais là? Ok, stun pour... Ok. J'aurais un peu rigolé parce que ça aurait clairement voulu dire que mon Broly est éclaté au sol quand même. Main ici. Ok. Bon, on arrive quand même à LF, mais encore une game où j'ai pas de bol, vraiment, parce que sur Goku Namek, il a mis vraiment du dinguerie absolu. Après, CG en face, ça, c'était pas terrible en face, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est. J'ai l'équipement de crit, hein, j'ai tout, j'ai perso 9 étoiles, c'est horrible. Mon Broly ne crit jamais, ne stun jamais, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, mais c'est une théorie qui se confirme peu à peu. Plus je fais des vidéos sur Broly, plus mon Broly à moi, il est nul à chier. Bon, est-ce qu'on va tomber sur une game quand même qui va bien se passer? Le perso, il a quand même 4500 de crit plus équipement. Il doit monter autour des 5000 de crit. Ça reste quand même une très bonne valeur. Hein. Je prends Bardock qui est Zenkai. Bon, voilà, il a une stat de Bardock Zenkai quand même. Donc c'est quand même un perso qui va crit, il y a des chances. En tout cas, en face, ça va être une très bonne team pour nous. Franchement, très très bonne team pour nous. Donc on espère caler des dingueries. Et Broly, une fois qu'il est lancé... Aïe, 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 pour l'arrêter par contre. Allez, c'est parti. Nous y voilà. Okay. Ça va faire un petit pas de côté là. Oh là là. Faut pas que ça passe pour nous, hein. Allez. Pour une fois que c'est le cas, la crit.
Non. Voilà mon grand, c'est ça qu'on veut, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai recruté. C'est pour ça que je t'ai recruté, clairement. Très clairement, je t'ai recruté pour ça. Bah ouais, non mais là il est dans la merde. Là il est dans la grosse merde, hein. Parce que là Gwen Revive aussi, ça va être sympa face à Vados. Ouais, il est dans la sauce là. Bon, si je sais main. One tap ici. Putain, ça. Ah, c'est pas possible de bien jouer comme ça. Gata Zamasu qui va arriver là, qui va essayer de tuer. On est dans la merde. Parfait, ça. Ça, ça passe et là on est. Voilà. Voilà, vous voyez quand ça crit le perso quand même. Voilà. Vraiment, quand il crit, il n'y a aucun autre perso dans le jeu que je vois être capable de faire ça aussi rapidement dans la game. En fait, c'est ça qui est fort, ce qu'il peut le faire dès le début de la game. En fait, ça, vraiment, c'est. Là, c'était incroyable, vraiment. Et on enchaîne les match-ups incroyables. Vraiment, je suis refait parce que là, par contre, on a du très très lourd en termes de match-up. Là, vraiment, c'est énervé. Allez, c'est parti. En vrai, là. Voilà, c'est ça qu'on voulait. L'attrape ici, c'est vraiment. Là, c'est faux crit. Ok, on est sur du contre-type ici. Il veut pas, hein. Voilà. Donc là, il est mort s'il switch pas. D'accord. Bon, là, one strike, hein. Je veux rien savoir. Là, one strike, je veux rien savoir. Voilà. C'est n'importe quoi, vraiment. Là, on va main. Bien joué, ça. Bien joué, il m'attrape avec son Goten ici. Et ouais, bah, par contre, il tente pas du tout mon Gohan, c'est impressionnant. Oh, il va me one-shot là. Et bah, c'est super. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Si je perds la game avec ça, c'est chaud. Vous avez vu ce qu'il a pris son Gohan? Vraiment, c'est. Putain, il joue bien! Oh, je peux pas switch, hein. Ça va bien jouer ça. Ok. Bien joué. Je pense qu'il a le kill. Hein. Je pense qu'il prend le kill là-dessus. Hein. Il y a rien à dire, c'est bien joué. Avec Goten, il prend le kill, c'est sûr. Gohan dans cette team-là, tant que pas assez. Ça, ça passe pour nous. C'est parfait. 1 million. Sympa quand même. Oh putain, mais il attaque pas. Il attaque pas, il attend que ça. C'est un truc de ouf. Mais j'ai jamais vu un mec ne pas attaquer comme ça, frère. Bah ouais, voilà, ça passe. Bon, c'est pas, il va avoir son kill. Je suis deg, il attaque jamais. Il fait que du fond de map. Dès que je m'approche, c'est fini. Voilà, les Rising Rush. Mais c'est obligé. C'est obligé. Après, on peut s'en sortir avec Bardock. On a largement de quoi s'en sortir. Ça rend fou quand même. Ça rend fou parce que le mec il a pas attaqué de la game, quoi. Et en fait, dès qu'il est au corps à corps, moi j'ai un problème aussi dans ma tête. J'arrive pas à gérer ce move. La vérité, ce move de pas de côté, je sais pas le faire. J'aurais dû clairement tackle. Mais bon. Voilà. Ça rend fou quand même. Ok. Ok, on va prendre le kill là-dessus. Largement même. On va tenter d'attaquer tout de suite, mais il va me perfect dodge. Même pas. Bon, on la gagne. Let's go, ça fait plaisir de la gagner quand même cette game. On l'a mérité, bordel de merde. On l'a mérité. Et ça fait plaisir, la petite track sur Gwen LF, rien que ça. Prendre Gwen LF dans ce team, c'est pas du tout, du tout une bonne chose. Ok les gars, alors pourquoi avoir autant de bonnes parties? Je pense que ça doit être un joueur qui a recommencé un compte, non, vous croyez pas? Moi je pense que ça doit être ça, hein, parce que sinon c'est assez louche. Allez c'est parti, let's go, on regarde même pas ce qu'on fait sur le jeu, c'est incroyable. Bon. Ok, on switch tout de suite, c'est peut-être pas la meilleure chose du coup à faire. On n'est pas sous-saigné là, ouais, c'est ça. On n'est pas sous-saigné. On va tackle ici, j'espère qu'il n'y a pas de carte. Oh, je le démon. Non, mais fallait vraiment qu'on tape une spé là. Non. C'est Jean-Michel esquive. Jean-Michel esquive. Taper tout de suite, c'était pas une bonne idée. Ok. Super saigné. L'ultra saigné de bâtard qui nous a mis là. L'ultra signé bâtard qui nous a mis. Peut-être pas une spé là quand même.
Ok. On va faire ça. Ok. S'il a envie, il fait une masterclass. Vraiment, s'il a envie, là, maintenant, il fait une masterclass. Il a envie. C'est exactement ce que je vous disais. C'est fort. Voilà, c'est fort et c'est une force du personnage. Alors oui, c'est un peu con qu'il lui ait donné quand même un stun parce que quand tu vois les dégâts qu'il met... Voilà, en plus c'est en crit. Broly, tout simplement, quel plaisir. Donc on a vraiment vite pas plus 50 là. Putain, pique de merde. Mais tu les chies dans ton anus là les... Oh bien joué. Ok. Non mais il est 3 vertes quand même, hein. Juste pour vous dire. Ça veut dire qu'il avait deux. Il a une verte qui lui a redonné une verte qui lui a redonné une verte. Alors oui, il a la verte qu'il a générée avec Black Jaune, mais quand même. Je ne suis pas dupe. Là non plus, je ne suis pas dupe. On va strike, mais on va strike dans le vent surtout. Bien ouais, one shot. Non. Il tombe pas mal avec les cartes des Zenkai quand même, c'est correct, hein. C'est vraiment correct. T'es d'accord? T'es fort. Putain, on a même pas crit là-dessus. Je suis obligé de remettre Bardock une fois. Tu passes, stopper. Et voilà, on met. Ok. Parfait, c'est juste pour donner les boosts de Bardock. Alors, c'est extrêmement risqué ce que je viens de faire, hein, réalisé uniquement par des professionnels. Mais bon, quand même. Même hein, quand même. Rose LF là. Il va falloir qu'il aille chercher l'ulti, hein, il a pas le choix. Hein. Je pense. Hein. Bon, ça va faire chier pour lui. Ça fait chier pour lui quand même. Putain, il a encore une carte. 53 combos. Vous vous rendez compte quand même que sans vitesse de pioche il m'a mis 53 combos. C'est assez fou hein, les 3 blacks là vous avez black vert qui peut extendre le combo, bah là c'est comme un bâtard. Black violet c'est pareil hein, au niveau des strikes c'est un truc de fou et la verte qui génère une spé. Et black jaune aussi qui est très fort pour ça, c'est à dire que les 3 persos génèrent des cartes à l'infini. Du coup rising rush rapidement et tout, c'est vraiment craqué ces blacks hein. Le rising rush maintenant. Va-t-on s'en sortir dans cette game gentiment? C'est pas sûr en vrai. Hein. On contre pas. Je vais essayer strike tout de suite si Black Vert est pas dispo ou alors s'il le met pas, on l'attrape et on est bien. Mais faut voir ce qui va se passer. Voir ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà ulti. Donc sur ça, on est tranquille. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Malheureusement, ici, on n'a pas les boosts de Bardock. C'est pour ça qu'on va le mettre tout de suite d'ailleurs. On va le mettre tout de suite. Ok, on va essayer de. Voilà. On va essayer de faire sans lui. Ça fait plaisir. Et derrière, on va sans doute gagner la game. Hein. Franchement, on est vraiment bien. Après, attention, parce que Black Vert, c'est sympa quand même. Je dis un truc tellement obvious en vrai. Black Vert, c'est sympa. Genre, le perso il est trop fort. Hein. Ok, on va tenter un truc là. Voilà. Il s'est fait avoir dessus tout à l'heure. Et il se refait avoir encore une fois. Et là, je pense que. Tu veux pas? Voilà, merci mon grand. Let's go. Broly est très très grand. Bon, quoi de mieux que d'affronter une Team Saiyan Métis? Franchement, alors là, je peux pas rêver mieux. Vraiment, parce que là, je pense pas qu'il joue un vert. Ou alors, s'il joue un vert, Guan Rive va s'en occuper. Par contre, derrière, waouh, waouh. Allez, let's go, c'est la game encore une fois de Broly. On en a déjà fait une incroyable. Je pense que ça peut être la deuxième. Bon, les gars, très clairement, il va tout tenter pour arrêter mes combos. Ah, j'ai mal joué. J'avais le perfect dodge. Franchement, j'ai mal joué. J'avais le perfect dodge là. Ok. On commence directement avec Gohan Revive ici, enfin on met Gohan Revive en cover. Mirai Gohan qui peut faire des bons dégâts là, quand même, hein. Attention. Parfait. Allez Broly. Ah, je suis deg. Broly qui a pas la strike. Par contre Broly qui va avoir ça. Ok. J'ai pas vu de pas de côté ici. Ça se passe, hein. Oh là là. Oh, l'aspect de loin. L'aspect de loin qui passe comme ça. Alors là, il faut l'avoir venir. Parfait, ça. Bon, bah voilà. Putain, les dégâts de cette team, c'est quelque chose, hein. Les dégâts de cette team c'est quelque chose. Après par contre une fois qu'on prend la sauce on prend la sauce. Là c'est pas des blagues. Allez faut gagner ce clash.
Normalement, on n'aura pas le temps de temporiser le retour de Broly. Je pense pas. Sinon, il fait une strike longue distance, on peut se mettre bien. Voilà, parfait. Parfait, les gars, si ça avançait, c'était pas pour rien ici. Ça avançait. Carte verte. Putain. Il veut pas rester midrange, hein. Il veut pas. Bien, ouais. Je... Faut qu'il prenne l'avantage rapidement. L'aspect, tu auras pas tout de suite. Non plus. Là, elle peut tuer. Sauf qu'on a Gohan Revive. Et ça, c'est excellent pour nous. Gohan Revive derrière qui va être très très fort. La game est sympa. La game est sympa. Mais pour l'instant, encore une fois, l'adversaire qui nous pose énormément de problèmes. Pourtant, il a pas un match-up vraiment évident. Ouais. Franchement, si ça se passe bien avec Broly, on peut l'arracher. Mais il joue bien. L'adversaire à droite. Bien, wesh. Par contre, on va avoir double switch. Je crois qu'on va être un peu en cheat code là. Je crois qu'on va vite fait pour avoir le temps d'être en cheat code. Malheureusement, ça passe pas non plus. Et vraiment, ça joue bien, les gars. Ça joue vraiment super bien en face. Très bons adversaires dans ce showcase quand même. Je trouve qu'on joue vraiment des bons adversaires. On joue pas des mecs qui se jettent et tout. Pourtant, on est assez haut dans le ladder. Et là, c'est ulti. Et c'est trop bien joué. Ah, dommage. Le ulti, c'était vraiment bien joué. Ok, ça passe. Bon, on va l'arracher là. Ouais, ouais, on va l'arracher. Ok, pas de Broly là. Broly qui va strike, je crois que. Ouais, on est en cheat code là. Même comme ça écrit pas. C'est scandaleux. En vrai, c'est scandaleux parce que même en cheat code, le perso, il crit pas quand même. Il a deux boosts, deux fois plus de chances de crit quand même. On est sur un délire. Non, il a pas envie. Ça passe. Ça a toujours pas stun, ça a toujours pas crit. Je vous jure, je rigole pas. Déjà, il va falloir que je bug, que je rigole, mais je rigole même pas. Il avait vraiment de boost. Ok. Bon, on la gagne cette game. On la gagne cette game et on va terminer là-dessus. Mais c'est. Poussif, putain, les crits de ce perso, bordel, ça reste de la chance. Et c'est ça le problème de SCJ. Ce qui fait que j'ai arrêté de jouer SCJ parce que je crois que c'est la team qui me fait le plus rager. C'est-à-dire que quand je la joue, je rage le plus parce que je me dis que là, par exemple, sur l'ulti, sur Gohan. Et sur la strike qu'on a mis avant, je pense très clairement qu'on avait à peu près 60-70% de chance sur 4 cartes. Ça va être un truc comme ça. En termes de taux, tu vois, j'ai pas de bol, mais je reste persuadé que mon Broly il est bugué. Vraiment, il est bugué, j'y crois fort. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et on se dit à très très vite sur la chaîne.